cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble, allons tous au combat. Surtout, ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. Bon, on commence par le sujet. Quel sujet là? Le troisième ou bien le premier ou bien le deuxième?
Bourba Dingbunal. Je commence par le deuxième sujet. Parce que lors d'un direct, j'avais fait un direct ici où j'ai dit pourquoi certains villages à l'ouest Cameroun n'ont pas de milliardaires. C'est une question qui a tout son pesant d'or, c'est une question qu'il faut répondre. Pourquoi certains villages à l'ouest Cameroun n'y a pas de milliardaires? Quand vous observez les tenants, les champions du monde, toutes catégories en matière économique, ce sont des villages spécifiques. Pourquoi donc ces villages? Je veux répondre à cette question aujourd'hui. Parce que les gens me posent des questions inbox là. À vous, c'est à vous que je veux répondre. C'est à vous. C'est à vous que je vais répondre parce que vous savez, la France, parce que le président américain mettant la pression à la France, qui demandait à la France de laisser les pays colonisé par l'Allemagne, accéder directement à l'indépendance. C'est pour ça qu'en France, si vous partez à la mairie de Paris, vous allez trouver là-bas affiché le père de l'indépendance du Cameroun, Ruben Oumniobé, 1953. C'est affiché là-bas, hein, à Paris. C'est affiché là-bas, le père de l'indépendance de la République du Cameroun, c'est Oumniobé. À Paris. Mais au Cameroun, le père de l'indépendance, c'est Amadou Ahidjo. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, les gens qui veulent torpiller l'histoire, c'est leur problème. Donc, la France, pour rassurer, pour ne pas être éjectée du Cameroun, parce qu'elle voyait bien que les anglo-saxons mettaient la pression. Elle a donc organisé la venue d'un certain nombre de délégations. Il y a eu donc une délégation de nos parents de la forêt, dont je vais lire. Ils étaient 6. Une délégation des enfants de nos parents de l'Ouest, ils étaient 5. Nos parents du littoral, ils étaient 2. Un Bassa et un Foulbé. Il faut comprendre parce que quand vous posez des questions, et la France, pour les recevoir, a d'abord reçu la délégation des Béti. Ils sont rentrés à leur hôtel. Il a reçu la délégation de mes beaux-frères. Ils sont rentrés à leur hôtel. Ils ont reçu les Douala. Ils sont rentrés à leur hôtel. Ils ont reçu le seul Bassa. Après, ils ont reçu le Foulbé. Après, ils ont maintenant fait une troisième rencontre ensemble. Moi bien. Donc, c'est lors de la réception individuelle
C'est lors de la réception individuelle. Que le chef de la délégation qui était Kemajou dit, c'est oui, vous voulez que nous signions ce document, mais en retour, nous aurons quoi? Nous, notre communauté aura quoi? Parce que M. Mbidava a été Premier ministre. Nous, on a quoi? Les autorités françaises répondent, pour vous, nous avons réservé l'économie. Mais vous nous réservez l'économie. Comment je réplique? Comment vous nous réservez l'économie? Puisque tout le monde pourra vendre dans le marché. Comment allons-nous faire pour avoir le contrôle de l'économie au Cameroun? La France leur réplique, quand vous c'est dans la chambre de commerce, nous allons faire en sorte que tout doit passer par la chambre de commerce. Nous allons faire en sorte que n'importe quel partenaire qui doit venir au Cameroun doit passer par la chambre de commerce. Et comme ça, comme vous serez là-bas, vous avez le temps de mettre, de contrôler et de mettre vos personnes là-bas. C'est comme ça que donc ils signent le document. Écoutez-moi, mes frères. Comme ça qu'ils signent dans le document. Et c'est ce document que la France prend et joint avec la lettre qu'elle avait écrite sur Pop Prison. Bébé Idi. Il envoie aux États-Unis d'Amérique via l'ONU. Disant que le peuple du Cameroun veulent que la France les accompagne à l'indépendance comme ils le font avec le Sénégal et les autres pays francophones. C'est comme ça que le président américain est KO debout. Maintenant, je veux donc vous lire les noms. Chacun de vous doit reconnaître le village. Chacun de vous doit reconnaître le village. Si vous voulez comprendre pourquoi nous sommes exclus de l'économie, écoutez ce que je suis en train de vous dire là. Parce que voir que nous sommes exclus de l'économie, c'est facile. Mais quand on vous explique les raisons pourquoi nous sommes exclus de l'économie, c'est ça qui est important. Je vais vous lire les noms. On va continuer. On va bien s'entendre. Bon, voici les noms. Je commence par les six bêtis. André-Marie Mbida. Un étonne. Charles Assalé. Écoutez bien. Hein? Un boulot. Bessala. Valère. Un néolo. Okala Charles. Un bamois de... Un Sanaga.
Akono, Akama Ibrahima, un bangole. Mbida Etienne, un nanga. Voilà si Betty. Vous voyez bien que ça cadre, non? La zone forestière. Je vous lis les 5 Bamileke. Njoubesi Mathias. Le père de celui qui est ministre là. Kemajou Daniel. Bazou. Tawamba Dagobert. Jean de Changla. Montepaul. Bana. Tumbang. Wanke Isaac. Au plateau. Les deux doigts là. Alexandre Douala Mangabel. Bébé Idi Marcel. Lubasa. Manden Enoch. Le Fulbe. Amadou Babatoura Aïdjo. Voilà les gens qui sont allés à Paris signer pour que la France conduise le Cameroun à l'indépendance. Maintenant, les noms que j'ai lus là, au niveau de mes beaux-frères, les noms que j'ai lus là, regardez bien que c'est dans ces villages exclusivement qu'il y a les milliardaires. C'est eux maintenant qui ont la lourde charge de choisir un autre village pour faire de quelqu'un là-bas milliardaire. Observez. Observez. Et là, vous allez comprendre. Maintenant, ils sont tombés d'accord. André Baribida est rentré. Il devient premier ministre. C'est quand on donne André Baribida les accords secrets. Donc, on lui donne ça pour qu'il prenne connaissance. André Baribida prend connaissance des accords secrets. Il met un nom catégorique. Du coup, la France dit qu'il faut dérouler le plan B. Et c'est là où ça devient intéressant. Quand il se brouille avec la France dit mais non, il faut trouver un remplaçant très vite. Ça, ce n'était pas prévu qu'ils allaient se brouiller avec Mbida. Quand il se brouille avec Mbida, il faut trouver un remplaçant très vite. Qu'est-ce que la France fait? La France retourne voir les résultats des élections. Elle se rend compte que l'entier
qui avait battu le président Ahmadou Ahidjo aux élections avait 73 725 voix. Il ne pouvait pas être président de la République du Cameroun. Or, bébé Eidi Marcel est français. Alexandre Douala Mangabel est français, donc ils sont exclus. Il reste donc ceux qui sont censés être premier ministre, c'est Manden Lobasa, Manden Enoch, les cinq, les quatre, Betty et le Foubé. Donc, les quatre bêtises là, au lieu d'aller voir le blanc, il dit au blanc que mais vous enlevez André Marie Mbida et nos intérêts, qui va défendre ils ne l'ont pas fait. La France décide donc de se fier qu'au résultat des élections. Le président Ahmadou Ahidjo qui avait lui 47 783 voix a été choisi pour remplacer André Marie Mbida. C'est comme ça donc que le président Ahmadou Ahidjo qui était minoritaire parmi les 15 se retrouve propulsé à la tête. Or, l'État n'étant qu'une question d'intérêt, nos parents, les quatre parents qui sont restés, ça veut dire au Kalachan, Bessa Lavalle, Charles Salé, Akono Akamba, Mbida Etienne, ne sont pas allés voir. Donc, il lui dit que mais vous avez enlevé Mbida, nos intérêts sont où? Parce qu'eux, ils ne réfléchissaient pas en termes d'intérêt. Et ils réfléchissaient en termes Cameroun. Donc, pour eux, ils n'ont pas imaginé un seul instant que le fait qu'on les a reçus séparément en France d'abord et après en groupe, c'était pour poser leurs conditions. Ils sont arrivés avec André Marie Mbida, qui était leur leader. Ils ont discuté avec l'homme de main de Gaulle, monsieur Foucault. Ils n'ont pas posé de conditions sur le champ économique et réfléchissaient Cameroun. C'est quand la délégation de mes beaux-frères arrive, ils disent que non, nous, on n'a rien. On ne sera pas premier ministre, donc on veut quelque chose avant qu'on signe. Tous les autres n'ont pas demandé. Ni les Douala, ni le Bassar, ni le Foulbé. Les seuls qui ont demandé avant de signer ça, là, nous, on a quoi dedans? Avant qu'on signe, nous, on a quoi? On ne peut pas signer son nom, nous on n'a rien. Mais nous, on ne sera pas premier ministre. C'est mes beaux-frères. Parce qu'il faut comprendre d'où vient le contrôle de l'économie camerounaise par mes beaux-frères. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas entrer sur le terrain, dans un terrain où tu vas commencer à faire de la haine sans comprendre les tenants et les aboutissants. Comment ça s'est passé? Il faut qu'on vous explique clairement. Or, la réaction de nos parents devait être, après l'éviction de André Marie Mbida, ils devaient dire, mais non, il faut que quelqu'un parmi nous six récupère la place d'André Marie Mbida. La France ayant vu que c'est André Marie Mbida a dit non, il est le leader des autres là, ils peuvent aussi dire non. Du coup, elle s'est rabattue sur le Foulbé.
utilisant l'argument que sur le Foulbé qui avait 47 000 voix, après ce Foulbé qui suivait Mbida, qui avait 60 quelque chose de voix, 63 000 de voix. Attendez, je vois le nombre de voix de Mbida. Oui. 67 000. Donc, voilà où nos parents ont péché. L'éviction d'André Marie Mbida. Ils n'ont pas demandé quelque chose. Oh, ils devaient demander. Maintenant, pour qu'une multinationale s'installe au Cameroun, elle a un seul interlocuteur, la Chambre de commerce. C'est elle qui choisit quel Camerounais mettre en contact avec cette multinationale. Vous pensez que M. Eken va choisir un Bafia qui doit traiter avec la multinationale? Vous croyez vraiment? Hein? 99% des multinationales installées au Cameroun sont sous le contrôle de mes beaux-frères via la direction de ressources humaines. C'est organisé par la Chambre de commerce. C'est ça le système économique camerounais. Et tant plus que c'est les multinationales qui paient le gros d'impôts au Cameroun, les 80% d'impôts, les locaux payant les 20% restants. Maintenant, ça c'est au niveau des multinationales. Maintenant, il faudrait qu'on essaye de matérialiser ça, la vie au quotidien des citoyens camerounais. C'est là où on a donc développé la technique du contrôle de tous les marchés au Cameroun. Je vous explique. Les gens doivent remercier Kamto. Si Kamto ne venait pas à la télévision nous poser la question, comment faire? Faut-il faire un concours pour devenir boulou? Qu'on lui dise aussi où on fait ce concours, lui doit devenir boule. Si Kamto ne venait pas avec ça là, moi je devais rester tranquille dans mon coin et continuer à chercher à dire, à parler aux gens autrement. C'est grâce à Kamto qui fait en sorte que nous on est obligé d'entrer en profondeur, exhumer les choses qu'on a cachées. Et ce n'est pas tout. Je veux encore exhumer les autres jusqu'à ça ne sera pas bon. Que les gens prennent leur mal en patience. Je veux exhumer comme ça là. On n'a encore rien fait. Il y en a des autres que quand on va parler, vos cheveux vont se glisser comme ça là sur la tête. Maintenant donc, ça, c'est au niveau du contrôle macroéconomie. Maintenant, donc, l'économie informelle, qui, elle, permet la vie au quotidien des petits Camerounais. Il faut contrôler ça. Et je vous explique. D'où la stratégie du contrôle de tous les marchés dans les grandes villes. Voici comment ça se passe. Quand on dit on va ouvrir un marché dans tel quartier, ce n'est même pas qu'on va ouvrir un marché. Dès qu'un nouveau quartier se crée,
dans un petit carrefour où les gens vont venir vendre. C'est comme ça que le marché se crée. C'est comme ça que le marché se crée chez nous. En dehors du marché central qu'on a construit. Mais les autres petits marchés, c'est quand la population s'installe, la population choisit un endroit qui est vide, chacun met son comptoir. C'est comme ça que le marché s'est installé. Pourquoi on contrôle les marchés? On contrôle les marchés parce qu'il faut que, si toi tu arrives avec une production de tomates, tu dois trouver un prix de la tomate sur le marché. Et toi tu dois vendre à ce prix-là. Si tu cherches à aller en dessous de ce prix, on va l'appeler le registre du marché, que tu fais du dumping. Le registre du marché vient te chasser. Monsieur, il faut respecter les prix au marché. Or, ça c'est quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils te disent qu'on a libéralisé le marché. Chacun donne son prix. Mais quand toi tu vas appliquer la même philosophie de la libéralisation, ils te disent que non, tu vas respecter les prix du marché. Tu refuses, ils appellent le registre. Et quand le registre vient, il te donne, dès que tu refuses, le registre va prendre les gendarmes, les policiers. On a dit, monsieur, pliez bagage. C'est donc comme ça. Voilà le but du contrôle du marché. C'est pour contrôler les prix du détail dans tous les marchés au Cameroun. C'est ça l'affaire. Ayant compris tout ça, ayant vu tout ça, nous disons à quoi ça sert. Bon, ça fait que quand on veut contrôler les prix sur le marché, il faut contrôler donc le marché. Et voilà comment la stratégie a été mise sur pied. Les bouffes contrôlent tous les marchés des grandes villes. Tu pars au marché, c'est cher. Tu pars au marché, on n'a pas augmenté les salaires. Mais les produits de première nécessité, tout ça fait partie de la technique du coup d'état scientifique. Parce que c'est ça la vérité. Maintenant, comme les enfants de la forêt sont en train de se réveiller, vous devez savoir, quand vous avez compris quelque chose, les questions que vous devez généralement vous poser, bon, c'est que quand je vais faire cette chose-ci-là, où est-ce que je peux avoir des blocages? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Je vais vous expliquer quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes. Notre projet, si on l'implémente, et qu'en 2025, qu'on fasse notre première TIEC, vous allez vous rendre compte que le contrôle du prix sur le marché sera imposé par quelqu'un. Mais on a étudié
Nous nous sommes rendus compte. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Quand nous allons aller vendre notre cacao dehors, écoutez-moi. Je parle ça pour qu'ils comprennent que nous, on a compris l'affaire là depuis. Quand nous, on va vendre notre cacao dehors, ok, on va nous payer par exemple en dollars. Est-ce qu'on va nous donner l'argent en main? Non. On va venir l'argent dans notre compte qui est en Europe, non? Oui. Il va falloir que nous on entre en contact. Il faut falloir qu'on entre en possession avec notre argent, non? Oui. On doit passer via une banque, non? Oui. Ok. On a une banque au Cameroun. Je vous explique comment on fait pour vous asphyxier. Comment on fait pour asphyxier tous les enfants qui n'ont pas compris. Quand tu te lances dans ce domaine, il faut te donner une porte A, B, C, D, E, F, G. Parce qu'il faut prévoir. Si je vends mon produit à l'extérieur et qu'on me vit là dans mon compte en euros, bien il faut que l'argent rentre au Cameroun. L'argent doit rentrer dans une banque. Si le banquier dit qu'il nous fasse du chantage, et c'est arrivé. Comment faire pour avoir le plan B directement? Là, je ne dis pas. Je ne dis pas l'autre là. Parce que l'autre là, il est stratégique. Ce que j'explique, pour que ceux qui me suivent doivent comprendre que nous avons pensé à tout. On a pensé à tout. Parce qu'on connaît comment on a phagocyté les autres. Et nous prenons des dispositions. Et ce sont ces dispositions qu'on ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Parce que si on dit ça maintenant, les gens vont réfléchir à la solution. On ne peut pas parler. Je suis en train de vous dire comment on neutralise les autres. Léono Biono, les Tébela, tout ce beau monde-là, c'est par ce canal. Tu pars peut-être pour acheter ton matériel, tu vis, tu as besoin de devises. Au Cameroun, est-ce que tu as les devises? C'est quelqu'un qui va te donner les devises. Oh, pourquoi nous, on ne nous contrôle pas? Et pourquoi on ne nous bloque pas? Vous connaissez déjà ce qu'on va faire. Je ne détaille pas tout. Parce que si je détaille tout, tout ce que je parle là, c'est pour expliquer aux gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que aller à l'école de l'économie, c'est peut-être, je ne comprends pas. Nous, on a besoin de lire seulement deux livres. Deux. Dès que je lis les deux livres-là, ça me suffit. On a compris le système. Bien. Donc, je parle ça pour que les gens comprennent. Qu'on connaît. Parce qu'un dame m'a appelé, il me dit, Abdel, comment tu vas faire quand on va te bloquer, bloquer. Tu dis que petit, je ne peux pas te donner ma solution, mais retiens ceci. Si je vends, on va me payer en dollars, non? Oui. Est-ce qu'on utilise le dollar au Cameroun? Non. Il va falloir que je transforme ça en CFA, non? Oui, ok. Tu vas donc comprendre pourquoi vous faites tourner ça. On a fait tourner ça. On a trouvé des solutions. Et ce sont ces solutions qu'on ne peut pas parler. Parce que là,
c'est stratégique. Très stratégique. Parce que quand il parle comme ça, il faut que les gens comprennent. Il parle ça pour que les gens comprennent qu'on connaît. Ceux qui pensent que. Ceux qui pensent que. Ils nous attendent là-bas. Je pense que. Ils vont mal dormir aujourd'hui. Hein. Ils vont mal dormir aujourd'hui. Parce que je suis en train de vous expliquer le mécanisme. Si je vends aux États-Unis, on me paye en dollars. On me paye en dollars. On va déposer l'argent dans mon compte en Occident. Quand on dépose l'argent dans notre compte en Occident, il va falloir que l'argent rentre au Cameroun. Et quand ça va rentrer au Cameroun, ça ne rentre pas au Cameroun en tant que tel. On vit l'argent dans le compte de notre banque qui est au Cameroun en Occident. Voilà le mécanisme. La banque prend donc nos devises à nous que nous on a travaillé, la sueur de notre front. Écoutez-moi, je vous explique le mécanisme. Nous on travaille la sueur de notre front. La banque prend donc nos devises que nous on a travaillé et garde ça là-bas à Paris. Quand moi je vais aller acheter la machine en Chine, je viens voir la même banque. Elle prend mes devises et me vend. Quand je vous explique le système, donc quand je vous explique le système, ça veut dire qu'on connaît comment ça marche, on peut contourner ça. C'est moi qui travaille. Je vends mon cacao. Je vis mon argent au Cameroun. Je vis mon argent dans mon compte en euros. Je ne peux pas expliquer comment on va faire. Si je dis, les gens vont comprendre. Quand on vit mon argent dans ma banque, dans notre banque en Occident, il va falloir qu'on vit cet argent dans ma banque au pays. Ok, la banque, ma banque au pays a son compte en euros. Et c'est comme ça que elle garde nos devises donc là-bas. Parce qu'ils ont réussi avec le libéralisme. Ils ont réussi à contourner la BEAC avec ça. Et c'est là où se trouvent tous les enjeux. C'est que ceux qui ont travaillé, ils ont sorti la sueur de leur front, ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Donc comme moi, j'ai vendu ça là. Lui, il a pris. Parce que c'est lui qui a remplacé la France. Avant, c'était les banques françaises qui faisaient cette transaction. On a donc pris un Camerounais, on a mis là. BGFI, Atlantic Bank, Eco Bank, African First Bank, wherever. Alors, ils sont là pour faire le travail que les banques occidentales faisaient. C'est-à-dire, nous tondre. C'est-à-dire, c'est nous tondre. Quand moi je vais maintenant aller vouloir acheter quelque chose, les machines en Occident, je viens encore voir mon banquier. Il prend mon argent. Il me vend. Est-ce que vous avez compris? Ça là, on va les montrer comment on contourne ça. Une petite solution comme ça, on ne peut pas parler. Parce que on nous a poussé à bout. Quand vous poussez les gens à bout jusqu'à arriver à dans leur dernier retranchement, quand ils tournent le dos, ils trouvent que c'est un raven. Ils disent, bon, ok. Je continue derrière, je me suicide. Qu'est-ce que j'ai en face devant moi? Ok. Je fonce sur lui. C'est ce qu'on a fait. Ils ne nous ont pas laissé le choix. Ils nous ont tellement acculés. Ils nous ont mis sur les cordes. On est sur les cordes, ils continuent à nous taper. On met même un genou à terre, ils continuent à nous taper. Ils disent, bon, ok. On dit à Bafia chez nous, un garçon meurt avec le sang qui chauffe. On a foncé tout droit. Et les chemins se sont créés. Donc, et c'est comme ça que ce système fonctionne.
Vous, vous travaillez, eux, ils bénéficient de votre effort via le franc CFA. C'est ça le système, les gars. C'est ça le système. Aujourd'hui, quand tu es venu, nous lui disons merci. C'est grâce à lui qu'il m'assoit ici là. Je vous explique ce que je vous explique là. Et c'est avec ça, ce système, qu'on a tenu tous les enfants de la forêt qui voulaient se lancer dans les affaires. On te neutralise avec ça. Dès que tu vas vouloir aller payer les devises pour aller faire tes achats, on te vend ça peut-être même le double du prix. Tu mets la clé sur le paillasson. Voilà le système. Mes frères, mes chers frères et sœurs, il y a un moyen pour le contourner. C'est Mingili comme ça. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est de ça qu'il est question. Puisqu'on nous a mis dans la périphérie, on a dit que non, on ne peut pas faire l'économie. Si nous, on n'a que l'administration qu'on doit travailler dedans, ok, mais nous ne sommes pas les seuls dans l'administration. Donc, mes beaux-frères sont 60% dans l'administration. Ils ont poussé le bouchon loin, on est parti chercher les chiffres. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont 60% et c'est eux qui font le bruit que Paul Biya a gâté le Cameroun. C'est ça la vérité. Il faut donc reprendre l'initiative de dire nous devons nous intéresser à l'économie. Et c'est là-bas. Si il y a un enfant de la forêt qui est dans la diaspora, qui ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire là, qui ne s'attend à rien dans la vie de demain au Cameroun. Parce que le Cameroun qui vient demain là, ça ne sera plus le Cameroun de 90. Parce que nous connaissons aussi comment on signe les accords. C'est ça qui est la question. Donc, c'est pour ça que vous voyez les gens vont vous dire, mais pourquoi, c'est qui ici? On te neutralise. On va te neutraliser parce que pour aller acheter la marchandise en Chine, il va falloir que tu aies de la devise. Si tu n'as pas les devises, tu ne pourras pas l'acheter en Chine. Écoutez-moi les amis. C'est pour ça que c'est pour ça que quand on va atteindre le seuil que nous voulons, nous allons diviser une partie du compte au pays, une partie du compte au pays, une partie du compte en Europe. Ça, c'est une petite solution pour les faire comprendre que nous, on ne blague pas. Si je vais aller faire les achats en Asie, le compte est en Europe. On utilise le compte qui est en Europe. On les laisse avec leur CFA au Cameroun. On les laisse avec leur devise. Je suis en train de les dire. C'est pour dire informer aux gens. Que ceux qui sont en train de dormir en rêvant en disant cela, ils ne savent pas que nous on a. Je vous avertis. Je suis en train de vous dire. Et on connaît aussi l'arme atomique. Même si vous utilisez l'arme atomique qui est au Quai d'Orsay. On a le compte de ça. On a le compte de ça. Vous allez voir. On va dérouler. On va dérouler, vous allez mettre les mains comme ça là. Eh oui. C'est ça quand on pousse les gens à bout à la réflexion.
Ça nous a pris du temps. Mais là, ce temps-là, ça n'a pas été gaspillé pour rien. Ce temps-là, on l'a utilisé à bon escient. On a vu ce qui est arrivé aux autres. La question, c'est de savoir pourquoi il a fermé. On commence à creuser. On prend toutes les cartes, on dépose sur la table. On se rend compte. On les bloque via les devises. Tu mets la clé sous le paillasson en silence. On a dit, bon, comme on a compris que tout est importé du Cameroun, tu ne peux rien faire quand tu n'as pas importé le matériel. Alors, on va casser ça en deux. Une partie dans la diaspora, une partie au Cameroun. Si je veux aller dans la diaspora, je sais que j'ai l'argent là-bas. C'est propre. On ne se salit même pas. On n'a pas de problème avec quelqu'un. On est babas. Mat nul. On est de bons amis. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ça sert à rien de vous énerver. Vous vous énervez, vous déchirez les amis, ça sert à rien. C'est ça ici dedans. Tu réfléchis, tu poses la bonne question. Il a fermé pourquoi? Si tu arrives à la conclusion que tout est importé, et pour importer, il te faut de la devise. Qui contrôle la devise au Cameroun? Qui? On ne donne pas à tout le monde la devise. C'est ça la vérité. Ce que je vous dis là, on ne va jamais vous dire ça, même à l'université, on ne va pas vous le dire. On va vous parler de l'économie, on va vous tracer, on va vous parler macroéconomie, micro, on vous trace les diagrammes, on vous parle machin. Mais le nœud gordien qu'on vous tient avec en l'est, c'est le contrôle des devises. Donc, ça ne sert à rien de vous énerver, comme je vous le dis tous les jours. Le seul problème, c'est d'identifier tous ceux qui ne connaissent pas. Je le dis toujours, je suis mécanicien. Et un mécanicien, c'est l'analyse des systèmes. Dans ce système, tu as des pièces en mouvement. Tu as des pièces qui n'ont qu'un seul mouvement, un mouvement de translation. Il y a d'autres qui ont des pièces qui ont un mouvement rotatif. Il y a plein de mouvements dedans. Et ça, et quand ce mécanicien prend ce système mécanique dans l'ensemble, je le prends, je le mets dans un système politique, je vais comprendre la politique plus que toi qui a allé faire ça à Massachusetts, aller à Paris-Sorbonne. Parce que la politique que moi je vais faire là, ça sera la politique des faits. Pourquoi le monsieur là qui est faisait dans tel domaine a fait ni? C'est pour ça qu'on a vassalisé tous les papas Douala, papa Bassa qui faisait les affaires, qui étaient des grands commerçants à Idea. C'est par ce canal qu'on les a mis là, on les a mis clé 14. Bah! Il ferme. Parce que si tu refuses de faire cette analyse et de te poser la question, si on me fait ça, je sors où? Hé, mon gars. Tu ne pourras pas t'en sortir. Oh, à chaque fois que tu auras besoin d'un matériel, il te faut que le matériel vienne de l'étranger, il va te falloir les devises. C'est pour ça que je dis à la diaspora, c'est vous qui avez la clé. Mais vous avez la clé, vous refusez de mettre la clé dans la porte pour ouvrir. Bon,
sang, vous attendez que quelqu'un d'autre qui a fermé là, qui a fermé la porte, il a mis les sacs de sable derrière la porte. Vous pensez que c'est lui qui va venir enlever les sacs de sable là? Mon frère, c'est toi qui as la clé. Tu mets seulement la dans la série. Tu tournes, clac, clac, tu tires la porte, les sacs de sable tombent sur lui. Beaucoup. Tu traverses comme ça. Tu traverses. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. C'est juste que tu as utilisé ça. Et c'est pour ça que je vous dis tous les jours que ça ne sert à rien de vous énerver. Parce que quand vous énervez, c'est de l'énergie gaspillée. Parce que je vous dis ce que je vous dis là. Est-ce que tu peux aller acheter en Chine avec le CFA? Tu peux pas. Mes frères, nous avons des solutions à toutes les éventualités. C'est une série d'au moins 108 questions. Les 108 questions ont été répondues. Et les 108 questions, chaque question a une solution liée au système de contrôle de la masse monétaire au Cameroun. Tu ne t'en sors pas. Tant que tu n'as pas tout ça dans ta tête, tu ne t'en sors pas. Les gars t'attendent. Ils t'attendent. C'est pour ça que quand tu te lances dans le commerce général, mais dans les services, tu as quelqu'un qui vient, il achète tout ton matériel, il te dit que j'achète tout. Il achète, il te paye. Au moment où tu vas vouloir aller encore te ravitailler dans la marchandise, tu n'as pas les devises pour aller te ravitailler. Les devises qu'on va te vendre au Cameroun ça va te revenir cher. Puisque tu n'auras pas la capacité, la puissance de toucher le président. Tu es un petit débrouillard ici en bas. Si les gens comme le Nobile ont mis la clé sur l'opération, les Tebela, les Ndissamba, voyez tout ce qui arrive au grand frère Mugubelinga. Regardez. Mais c'est lié à ça. Parce que lui, il est encore dans les services. Or, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il faut qu'on se lance d'abord sur la culture qui nous permet d'avoir les devises. Si on a la culture qui nous permet d'avoir les devises, à ce moment-là, c'est sur ça qu'on met notre socle. Parce que les devises, pour vendre ça, on va vendre. Ne vous gênez pas. On a les techniques. Quand ils parlent, ça veut dire donner. On rit. Les gars-là ne nous connaissent pas. On parle, on rit. Vous connaissez comment ça marche? Tu ne peux pas nous bloquer. Tu nous bloques au Cameroun, on prend l'avion. Est-ce qu'on a même besoin de prendre l'avion? Il y en a au moins 130 gars qui sont là en Occident. Il suffit qu'ils prennent le téléphone. Allô? Oui. Va dans tel pays, va rencontrer quelqu'un là-bas. Terminé! Et bouge même plus du Cameroun. On règle. C'est eux qui vont appeler là-bas, en haut là-bas, que j'ai fait, que j'ai là-bas, vous avez fait, que vous avez fait, que le président de Dieu dit que mais c'est comment l'histoire-ci? On a compris ça très dangereux. Donc c'est pour ça que quand moi je regarde les gens qui viennent me parler, bon, je croise les bras. Les gars, c'est 25 ans de stratégie, d'observation. Tel il a fermé, pourquoi il a fermé. On se rapproche. Il nous parle de ses problèmes, il parle de ses problèmes. On écoute. Quand on rentre au laboratoire, il a dit que. On rencontre tel, pourquoi tu as échoué? Il nous parle de ses problèmes. On écrit, on rentre au laboratoire. C'est 25 ans. Donc je les rassure.
Il faut qu'il reste tranquille. Par qui pense, il pense nous tenir là, là-bas. Vous ne pouvez pas nous tenir. Vous ne pouvez pas. Donc, ça, c'est un petit apéritif que je vous donne. Donc, ça, je vous donne. Il faut que tous vos petits plans, là, ça, je vous demander comment on va les déconstruire. Et vous allez voir. Si c'est l'économie, gars, on va faire l'économie, on va voir. On va voir. Parce que les gens m'ont dit, Abdel, on va te bloquer ici, là, j'ai ri. Et dit que mes petits, tu me connais même. Tu me connais. Petit, c'est 25 ans pour comprendre le système camerounais. Quand on a compris le volet politique, on a dit, bon, on attaque l'économie. Pourquoi les autres ferment? Cette question-là, si tu arrives à la répondre, tu as compris le système camerounais. Pourquoi les autres ferment? Au commencement était le CFA. Si je contrôle le CFA, je vais contrôler tout le reste. Gaha! Vous voyez bien. Mais bien sûr, les gars sont tombés parce que dès qu'on active ça, on appelle ça l'arme atomique. Dès qu'on active ça, tac, gars. C'est-à-dire, on appelle ça la mort silencieuse. Tes affaires vont tourner là au Cameroun. Mais il va falloir que tu te ravitailles en fourniture. Gars, tes comptes sont fournis, mais tu ne peux pas payer tes fournisseurs. Et si tu ne peux pas payer tes fournisseurs, tu deviens non grata. Pense ça. Mes frères, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. C'est moi qui vous dis, c'est un petit système qu'on a étudié là, mais attendez, pourquoi nous on se casse même la tête? On se casse pas la tête, on se casse la tête pourquoi? Il y a tellement de solutions à contourner ça que quand on avait trouvé ça, on a dit mais ça nous a pris du temps. Et oui, c'est la ténacité. Quand tu es dos au mur, tu n'as plus de solution. Tu dis où ça passe, où ça casse. Et nous sommes contents. Aujourd'hui là. Donc, ce que je parle là, c'est pour que les gens qui rêvent en disant on va les bloquer sur le CFA, on va voir quand ils vont venir, on va attendre, quand ils vont produire, ils vont produire. C'est pour ça que je vous dis, je vous annonce, il ne faut pas que vous. L'autre là, je vous dis, nos comptes seront divisés en deux. Dans la diaspora, il y aura l'argent. Donc, quand on veut renflouer, capital du Cameroun, on prend dans la diaspora, on vient renflouer. À ce moment-là, on travaille avec vos banques. On travaille, on est ami. Mais on va acheter nos matériels là. On ne prend pas vos devises. Par contre, ce que vous n'allez pas nous donner. Si vous nous donnez ça, vous allez nous donner ça tellement avec beaucoup de pourcentage que quand je vais prendre ça avec ce pourcentage, il va falloir que je revienne. Investir quand on avait ça, il va falloir que je rentre dans ma marge bénéficiaire. Je suis obligé de vendre au prix du marché local. Directement, je suis obligé de mettre vos prix. Alors, si moi je veux contrôler mon affaire, je dois procéder autrement. Or, les gars, on a mis donc ce système sur pied. Et ce système profite à une petite élite à l'ouest. Quand on est entré, on a trouvé que ce système profite à une petite. Il dit c'est une petite poignée d'élite.
même donner seulement leur nom. Ce système profite. Je dis qu'il n'atteigne pas 20. Ce système que je suis en train de vous décrire là, il n'atteigne pas 20. Ce gars qui profite de ce système. Mais quand toi tu vas te lever, tu vas te mettre à dire vraiment les Bamileke, vraiment les Bamileke. Mais tu ne sais pas que ce système-là profite à 20 personnes. Ils sont là, tapis dans l'ombre au Cameroun. Tu ne peux pas savoir que c'est eux qui ont remplacé le colon. C'est pour ça que l'ambassadeur de France, c'est ça. Toi, maintenant, tu viens, tu t'en prends un petit Bamileke qui souffre comme toi et moi. Alors qu'il y a des gars qui sont tapis dans l'ombre, qui profitent du système installé par le colon. C'est de ça qu'il est question. Parce que c'est un certain moment, ça fait que si tu ne comprends pas ça, c'est pour ça que les gars font dans les affaires, ils tombent. Ils font dans les affaires, ils ferment. Ils font dans les affaires, ils ferment. Tu ne peux pas. Les gars contrôlent ça au niveau de la... Il y a une chape. Donc, tout le monde doit passer par cette chape. Tout le monde. Donc, c'est comme ça. Les gars ne viennent pas ici en bas, là où la base est large. Les gars viennent s'asseoir ici en haut, au sommet. Ils sont là. Tout le monde est ici en bas. Dès que tu entres, frère Franck, c'est ce que tu dois sortir. Dès que tu vas sortir ici en haut, il te laisse, tu sors. Quand tu rentres, il ferme. Quand tu vas revenir vouloir sortir, tu comptes ta tête. Tu le gardes. Ah, c'est fermé. Oh, coucou. La migraine, le stress, ça commence à monter. Tu entends, oh, le grand frère là, il est mort de suite de crise cardiaque. C'est la diaspora qui a la clé. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est vous la clé. C'est pour ça que le système a fait en sorte qu'il n'y ait pas de solution, il n'y ait pas une association des Camerounais à l'étranger qui est puissante. Donc, dès qu'on parle d'association des Camerounais, ce lobby vient, ils envoient les enfants, ils gâtent. Ok, nous on a dit, nous on abandonne le Cameroun. Nous on a créé notre Cameroun. Enfants de la forêt. Gars, c'est nous qui sommes les timoniers. On contrôle ça. Tu viens mal. On te récupère. On te dit, mon petit, pas ici. Va au Cameroun. Ici, c'est pas le Cameroun. Ici, c'est les enfants de la forêt. Si tu veux être ici, là, gars, c'est à nos conditions. Doya, tu m'as bien compris. Ok, grand, ça, c'est bon. On fait chemin. C'est ce système qu'on a mis pied sur pied. C'est pour ça qu'il n'y a aucune association des Camerounais de l'étranger qui marche. Parce que si ça marche, ça va déstabiliser le système des chats. Mes frères, je parle comme ça là. C'est pour les annoncer ce qui va leur arriver. Je dis ce qui va leur arriver. À force de frotter, quand tu t'amuses avec le diable, il entre dans ta maison. Et quand il entre là, ça fait 2000 ans qu'on tue le diable dans les églises. Il est mort. Il est toujours là. Ils se sont amusés avec nous. Aujourd'hui là. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, mes frères. Vous avez. C'est la clé. C'est ça que je parle depuis.
que ne vous fâchez pas. Si vous vous fâchez maintenant, alors que vous avez la clé, vous n'avez même pas compris. Non, c'est vous qui avez la clé. Vous mettez la clé sur la dent, la zone, vous tournez seulement. Au lieu de prendre le rouge, dès que vous ouvrez la porte, les sacs qui sont derrière tombent. Seul. Tu traverses seulement. C'est ça. C'est ça qu'on n'explique jamais aux Camerounais. On ne les dit pas pourquoi tel a fermé. Pourquoi tel a fermé. On vous dit que non, c'est parce que c'est des paresseux. Mais lui n'a pas les capacités et les moyens de te parler comme moi, je te parle là. C'est pour ça que moi je dis à Mark Zuckerberg, merci. Comme je parle là, qui pouvait me donner la télévision qu'il parle? Je suis passé à Afrique Média une fois, on a dit que, hey! Wow, wow, maman, vous avez pris qui? Oh ballon, pardon, ne faites plus les là, oh mon frère, le gars là, le gars là, le gars là, le gars là, ne faites plus les rêves. Mon frère, dis que hey, pardon, c'est comment, pardon, 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 le gars là, il est dangereux, il va venir déconstruire notre affaire. Mon frère, moi j'ai Facebook. Comme j'ai Facebook là, j'appuie. Parce que du moment où les gens nous poussent, ils nous poussent, nous on n'avait pas un problème. Dès le départ, nous disions, ok, c'est encore préférable que c'est mon frère de l'Ouest qui prenne. C'était la philosophie qu'on avait. C'est toujours un gars de l'Ouest qui veut nous dire que, mais non, comme vous êtes en train de dire là qu'il est un couple, il faudra que c'est le gars de l'Ouest qui prend. Mais ce n'est pas pour eux. Eux, ils sont que les sous-traitants. C'est le cocorico qui prend en haut là-bas et le cocorico est en haut. Il récupère. Hein? Oui. Le gars nous sort une liste de licences. Il dit que cette société, c'est une entreprise française. Ça, ce n'est que le représentant au Cameroun. Le gars nous sort une liste de licences. Mais donc, nous ne sommes que des représentants. Oui. Donc, le cocorico récupère tout en haut. Nous, on a commencé à parler là. Parce que nous, on est sûr que tout a été cadillé. On sait. On sait. Les gens s'amusent même. On les abandonne. On avait certaines choses qu'il y a là au Cameroun. Parce qu'on a étudié toutes les éventualités. Chercher leur doctorat, leur docteur en doctorat là, qui vont venir vous parler des bêtises à dormir debout. Je vous parle simple, le beignet et le haricot, pour que vous compreniez. C'est ça. C'est ce système qui est au Cameroun, c'est ce système qui écrase tous les hommes qui veulent faire le business au pays. C'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font donc? Ils commencent donc à choisir qui on va laisser émerger. Quand toi tu es docile, on te laisse émerger. Tu deviens leur valet. Quand on parle de mes beaux-frères quelque part, toi tu te lèves seulement, tu pars. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que Abdel était là-bas. Non, papa, moi, je suis un gars bafia. Mon père m'avait toujours dit, quand tu ne comprends pas quelque chose, ne te fâche pas. Prends ton temps. Questionne cette chose.
cherche les faiblesses de cette chose. Si possible même, et ses forces. Parce que si tu connais, tu peux savoir ses forces, tu peux savoir en même temps ses faiblesses. On a compris ça. Mes frères, je parle ça là, je sais de quoi je parle. Donc, ce petit direct d'aujourd'hui, c'est là. Ça va leur donner les insomnies. Écoutez-moi. Hein? Le direct que je parle là aujourd'hui, là, ils ne vont plus dormir. Parce qu'ils disent que le Bafia là, il a mis notre secret dehors. C'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est ça qui a phagocyté tout le monde au Cameroun. Si vous voulez comprendre pourquoi les autres ont fermé, c'est ça. Mais les autres même qui fermaient là, ne comprenaient pas que c'est un système qui les a verrouillés. Mais le système, lui, va voir plutôt le président. Oh, vraiment, de Dieu, ce pays, ça ne marche pas. C'est pas possible. Hein? Mes partenaires, je suis en train de perdre mes partenaires. Le pays ne marche pas, le pays est bloqué. Mais non, grand frère, le système t'a bloqué et toi, tu vois le président. Alors que tu as à l'intérieur de ce système des éléments de blocage et c'est eux qui te verrouillent. J'ai entendu un gars qui m'a dit que non, c'est un mécanicien. Eh mon frère, faites attention aux techniciens. Quand un technicien se lance dans les analyses politiques basées sur les faits, il devient dangereux. Je n'ai pas besoin de venir. Je ne peux pas m'asseoir ici, là, venir commencer à vous réciter les cours d'économie. Ça me sert à quoi les cours d'économie? Ça me sert à quoi le coût d'économie? Ça me sert à rien. L'économie, c'est un rapport de force. C'est tout. Quand on a compris ça au Cameroun, on a posé la question sur la table. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que j'interpelle encore la diaspora camerounaise de la forêt. Que je sois en vie ou pas. Si vous refusez de vous mettre ensemble et créer un rapport de force puissant, vous allez rester esclaves. Face à ce système, personne au Cameroun ne peut le toucher. Il est indéboulonnable. Parce que quoi? Dès que tu es au Cameroun, tu veux lever la tête. Ils appellent Paris. Paris met la pression sur le président. Le président dit au secrétaire général que mais on emmerde les Français là-bas, va regarder. Du jour au lendemain, tu entends le gouverneur qui vient dire que mon frère, tu es en train de menacer les intérêts français. Donc tu es dans un mauvais secteur. Pourquoi moi je vous parle quelque chose là? C'est ce que des gens... C'est ce que des gens. C'est pour ça qu'ils viennent quand ils s'assoient. Ce que je parle. Je passe à une télévision. L'émission s'arrête. Ce que je suis en train d'expliquer là. Je parle ça à une télévision. L'émission s'arrête. Donc, quand je dis depuis aux gens que c'est l'économie, les gens ne comprennent pas. Les gens, c'est l'économie. Regardez l'argent. Vous allez regarder l'argent, vous allez comprendre l'affaire.
Et quand vous allez comprendre l'affaire, vous allez comprendre. Vous allez voir comment les gens vont, les masques vont tomber. Donc, quand moi je dis aux gens, je vous dis restez tranquilles. Ils pensent qu'ils vont venir, moi, vous bloquer. Il n'y a que le président de la République qui peut me dire que mon fils laisse. Là, je me retire. C'est là que lui seul. Il dit que c'est là que lui seul. S'il me dit mon fils, ça veut dire qu'on lui a mis, la corde ici. Un petit qui il faut comment qu'il meurt. Il me dit mon fils laisse. Parce que, oh. Parce que si les gens ne comprennent pas ce système installé où la France, pour bien se cacher, elle a pris des Camerounais, elle l'a mis entre elle et le bas peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle est ici en haut, là. Le cocorico est ici. Elle prend un groupe, petit groupe de Camerounais, elle met ici. Elle prend le président, elle met le président ici. Après, elle prend le peuple ici. Donc, quand le peuple lève la tête, c'est le président. Le président se débat en disant, mais j'ai pris les décisions, j'ai même signé les rapports, j'ai même voté les lois, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce que quand le président signe les lois, tu as un groupe ici là-haut qui doit appliquer. Et ce groupe alors, il applique ça donc, en regardant ses intérêts. Donc ça là qu'il a signé là, ce n'est pas bon. C'est comme ça qu'ils éloignent tout ce que le président a signé qui peut nuire à leur intérêt. Dès que tu parles, ils te disent décret d'application. Vraiment décret d'application. C'est ça. Moi, je vous dis encore une fois de plus, parce que je vous dis, ils ne sont pas nombreux. Ils sont allés à Paris, à 5, 6 Béti, 5 Bamileke, 2 Douala. Tout le monde sait bien que les Douala sont phagocytés. Les Béti sont phagocytés. Ce qui tient le coup, c'est les 5 là. Ils ont donc créé un petit noyau de au moins 20 personnes. Et quand les autres parlent, on dit vraiment les Bamileke, alors qu'on les a mis en esclavage. C'est eux encore, c'est grave. Le petit peuple Bamileke. Les gars se sont retrouvés avec un système où les chefs sont là, l'élite administrative est là, l'élite des affaires est là. En bas, c'est le petit peuple. Mon frère. Les gars, ils ont 4 chapes. Ça, le système. Oh, la réalité est que il y a quelqu'un qui dit là que non, ils peuvent investir ailleurs. Dis-moi donc dans quel secteur tu vas investir au Cameroun où tu n'auras pas besoin de l'apport de l'extérieur pour te fournir, soit en matériel. Dis-moi. C'est ça qui est la question. Parce que vous voyez bien que si nous, on se lançait, on a dit,
Vraiment, Dieu, on part, on lance, on va, on travaille dur. Vous savez, ce qui est arrivé, c'est que quand nous, on travaille dur, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas avoir le bénéfice de notre travail parce que nous allons vendre notre production à Douala. Vous comprenez? Quand on va vendre notre production à Douala, c'est ce qu'on appelle à Douala là, les négoces. Et ils vont prendre notre production, aller sur le marché mondial, vendre, faire de la plus-value et venir s'asseoir sur notre sueur. Jamais de la vie. Et là maintenant, tu ne peux pas remettre ça en cause si tu n'as pas quelque chose en main. Et le seul moyen de remettre ça en cause, il faut avoir quelque chose en main. Et c'est cette chose qu'on est en train de construire. Il faut qu'on ait ça en main. Maman, le contournement de ça. Hé, mon frère, vous avez parlé comme ça, petit. Pardon. Que les gens restent tranquilles. Quand les gens parlent, je ris. Que vraiment le Dieu, c'est une âme. Il se lève ma cœur, non? Mon frère, est-ce que moi, je connais encore le sommeil? Moi, je ne connais plus le sommeil, moi. Moi, je dors pratiquement peut-être 3 heures par nuit. Et ça dure comme ça peut-être plus de 20 ans. Parfois au Cameroun, ma femme me disait souvent, qu'est-ce que c'est même quoi avec toi? C'est le lit que j'ai épousé. Gars est sur ordinateur. Avec un petit scan. Hey, mon gars, je suis parmi les premières personnes qui a. J'avais un scan au Cameroun. Les gars me disaient, mais tu fais quoi avec? Il dit, mais non. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Scanner les documents. Scan. Parce que c'était le seul moyen qu'on avait pour garder les documents. Moi, tu ne peux pas garder les. Mon frère, c'était beaucoup. Mais oui. Mais Michel optimiste, je comprends Michel. Michel, si les gars là ne te optimistes, si les gars là ne te comptent pas, Michel, tu ne peux pas aller nulle part. C'est le système qu'ils ont mis sur pied. Quand tu viens et que tu refuses les conditions, ils savent qu'ils vont te bloquer. Mais ils ne te disent pas, ils te laissent. Ils te laissent, tu bagarres, tu produis. Quand tu vas vendre et que tu vas vouloir sortir pour peut-être aller acheter un matériel qui est important pour toi pour continuer à te développer, car tu tournes dans toutes les banques, tu n'as pas de devise. Tu vas aller avec le CFA. La France même qui fournit le CFA refuse de prendre ça à Paris. Tu penses que ça a été fait comme ça? Ça a été fait pour nous maintenir, pour que quand on te bloque au pays, tu ne peux rien faire. Tu es neutralisé dans l'œuf. Tu ne sors pas de quatre murs. C'est le système, mon frère. Et ce système-là, nous on a dit, on va le contourner intelligemment, sagesse. Écoute-nous, est-ce qu'on a tiré une balle? On n'a pas tiré une balle. Je vous dis, comme je parle là, l'insomnie de ça, il ne dorme plus. Parce que c'est la première fois que quelqu'un parle de ça à la télé. Comme je suis en train d'expliquer là. Personne n'a parlé ça un jour au Cameroun. Ce que j'explique là. Et ça, nous on appelle ça au Cameroun le Moulinex. Quand on disait, ah, le gars a été broyé par le Moulinex. Oh, le Moulinex est passé par là-bas. On était quatre semaines à comprendre le mot Moulinex. Le gars, le monnaie s'est passé là-bas, ça a fait la job. Le gars a mis la clé sur le paillasson, le gars il a fermé. Tout ce qu'on a fait au Cameroun comme industrie, c'est ça. Tamandjong, c'est quelque chose. Celui qui faisait le lait là, c'est passé dessus. C'est ça l'affaire.
non? Mon frère, ce que les gens ont voulu, non, c'est pas ça. C'est que les gens au Cameroun ne savent pas que un métier, c'est un métier. J'ai parlé avec mon collègue au travail aujourd'hui. Parce que comme je travaille là, comme je travaille à Saint-Laurent, donc, nous, ma société est presque en bout de piste de l'aéroport. Donc, quand les avions, quand le vent change de direction, les avions passent devant nous. Alors, on est en train de faire le barbecue au travail, on est en train de manger là-dehors. Un avion de Qatar, où il passe. J'ai dit à mon collègue que c'est ça qui me reste à réparer. Hé, hey, Abdel, tu veux dire aller faire dans l'aviation? Je dis oui, je vais faire ça dans l'aviation. Quand il va atteindre la maturité là, je vais aller faire dans l'aviation. Mais ce qui m'énerve ici, c'est qu'ils ont, ils ont plus de certifications que dans les avions bombardiers. Or, moi j'ai envie de faire dans Boeing et Airbus. Je me dis que malheureusement ici là, ils font que dans la certification des avions de bombardiers. Donc, il me dit donc tu es intéressé par ça. Il dit que mais non, je dois tout connaître dans la. Tout ce qui est mécanique, je dois connaître. Il manque que je répare les réacteurs d'avion. Mais je comprends déjà le système de fonctionnement. Parce que j'ai lu un peu. Dit Abdel, moi j'ai jamais ouvert un livre des histoires d'avion. C'est là où je m'en ai lu parler. Je connais ce qu'on appelle les aérofreins. Je connais ce qu'on appelle les inverseurs de poussée. Je lui dis que je connais ce qu'on appelle un réacteur, je connais comment le réacteur fonctionne, je connais pourquoi un avion peut passer et faire trop de bruit, je connais pourquoi un avion, je peux t'expliquer pourquoi celui-ci fait de bruit, pourquoi celui-ci ne fait pas de bruit, parce que j'ai lu. Il met le blanc met les mains comme ça, il dit que c'est pas possible. Il dit que oui, c'est ça qui me laisse à réparer. C'est pour dire quoi? Ça c'est un métier. Ça c'est le métier. Mais maintenant, au Cameroun, donc, on a donc fait donc cet amalgame entre quelqu'un qui va apprendre un métier et l'intelligence naturelle. L'intelligence de voir quelque chose et de comprendre cette chose. On a confondu. Résultat de course, quand un gars au Cameroun, il part faire enseignement technique, il dit que non, c'est un paresseux. On dit que non, c'est donc, ah, ça c'est les paresseux, ils ont aller faire la technique. Si moi j'entre en politique, moi je suis pas quelqu'un qui adore être devant. Moi je suis le genre de personne qui travaille derrière. Donc un politicien va être là derrière là. Moi je lui fournis les stratégies. Ne fais pas ça, fais ça. Tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Passe ici. Va là-bas. Donc là-bas, il y a un blocage. Comme ça que moi je suis donc. Je veux dire, quand il dit à quelqu'un que gars, je suis mécanicien, il dit que là, tu mens. Non, toi aussi, tu mens. Avec tout ce que tu connais là, il dit que mon frère, on lit seulement, non. On lit seulement. Le point, c'est que ces gars ont mystifié ça. Les aînés ont mystifié ça. Ils te parlent ça avec les gros mots. Tu comprends rien, ta tête devient comme ça, tu es perdu. Il faut parler ça avec le vécu des gens au quotidien. Les gars vont te comprendre well. Mais si tu veux parler le gros français, ils seront perdus. Mais je connais, non? Michel, je connais bien. Je connais. Tu sais qu'à l'époque, Tchang était la capitale régionale de l'Ouest. Tout se passait à Tchang. Quand mon père est parti à l'école à Tchang, il m'a raconté beaucoup de choses hein, sur Tchang. Parce que c'est là-bas où mon père a eu son CEP. Donc, c'est pour ça que, comme je parle là,
Je sais que ce que je dis là, au Cameroun, les gars sont debout, ils me suivent religieusement. Ils sont comme ça. Parce que ce que je vous ai dit là, si vous voulez comprendre pourquoi X a fermé, Z a fermé, T a fermé, A a fermé, B a fermé, F a fermé, ne cherchez pas pourquoi ils ont fermé. Voilà le mécanisme qui les a fermés. Et ce mécanisme n'est pas visible par eux. Lui, il va seulement voir que c'est le système, que c'est le président. Oh, tu arrives à la banque, ton banquier te dit qu'il n'y a pas les devises. Quand il n'y a pas les devises, tu vas accuser qui? Mais non, il n'y a pas les devises parce que tu t'appelles Amougou, Penda, Ntama, Tchencho, Onobiono, Ondon, Ombala, Mvundi, Amougou, Afana, Abosolo, il n'y a pas les devises. Les devises vont sortir quand tu t'appelles Kanto, Azoposi, Afasong, les devises sortent. Après, on dit, on est les grands travailleurs. Alors qu'on a mis un système qui verrouille tout le monde. Quand tu parles, on vient te dire que vraiment de Dieu, vraiment, c'est la jalousie. Quelle jalousie? Aga, enlevez la chape de plomb là, vous allez voir. Ou est-ce que nous, on est obligé de la contourner? On est obligé de la contourner. C'est pour ça que quand moi je reste comme... Vous savez, je crois que quand je reste comme ça là, je regarde. Je secoue seulement ma tête. Je dis que ouais, on est tous dans un même pays. C'est notre pays. On lutte pour que le colon nous donne un peu. Moi, j'aime le peuple français. Moi, j'aime le peuple français. Mais les hommes politiques français n'ont pas compris que leur devenir était qu'ils se lient aux Africains. En vrai partenariat. Mais sauf qu'ils se sont fait duper par le système anglo-saxon. Le système anglo-saxon a continué à aller dire de maintenir leur système d'esclavage alors qu'eux étaient en train de moderniser leur système à eux. Donc, vous voyez bien qu'ils ont fait en sorte que les populations africaines francophones en veulent plus à la France, ils envient plus le système anglophone. Or, les Français sont fait tromper par le système anglo-saxon. Et c'est ça qu'ils sont en train de payer cash. Or, s'ils modernisaient un peu leur système et disent que demain peut changer, Mes partenaires anglo-saxons peuvent se retourner contre moi. Je compte sur la fille francophone pour faire un marché commun avec eux. Non, ils ont continué à faire du pillage, de l'assassinat, leur méthode. Oh, c'était une erreur de l'élite française. Attendez. C'est pour ça que vous voyez, je vous dis que je suis passé à la ville déjà une seule fois. Qu'il est dangereux. J'ai posé la question à Fred. J'ai dit, à l'époque, c'était le journaliste Fred Mbungu. Je lui ai posé la question. Pour que tu présentes une émission comme tu es là, il faut que les militaires dorment dehors. Vous venez vous asseoir pour faire des émissions, pour aller de la mer du Cameroun. Mon frère, moi, je ne peux pas vous laisser dire ça. Hé, hey, le gars là, il est dangereux.
Vous l'invitez là, il va déconstruire notre affaire ici. Il est dangereux. Avait dit à mon ami, que comme tu me vois là, il m'invite là une fois là, ils vont m'inviter. J'avais dit à mon ami, m'invite une fois là, il faut m'inviter. Parce que ce que j'ai fait, ils m'ont dit, ah, frère. Je les ai dit, j'ai dit à l'autre, mon ami, tu dis que monsieur Biana n'a rien fait. Attends un peu, il te manque quelque chose. Je lui dis, tu vois ça? Ça, c'est 121 accords signés avec la France. Monsieur Biya passe le temps à modifier. Pendant 28 ans, c'est ça? Il y en a encore d'autres. Regarde, il est dangereux de la ville de Pissi. Écoutez-moi, tout ce que vous voyez là au Cameroun, ce sont des acteurs que ce système utilise pour continuer à endormir les gens de comprendre le système. Donc, on vous fabrique les ONG, tous ces gens sont les acteurs du système. La seule personne qui lutte pour que le peuple quelque chose sur le président, parce que c'est le président qui a la charge du peuple. Donc, c'est pour ça qu'ils ont donc mis le système, ils ont donc renversé le système. Le président, le lobby, l'administration, non, le président, l'administration, le lobby et le cocorico. Le cocorico est à dernière place. On ne le voit pas. Donc, quand le peuple lève la tête, il voit le président. Quand le président lève la tête, il voit l'administration. Faites ci. Le président, si. Quand l'administration lève la tête, l'administration trouve le lobby. Le lobby va prendre tout ce qu'ils ont signé là. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas encore implémenter ça. Ça va gêner nos intérêts. Ça, c'est pas bon. Après, quand il lève la tête, le Cocorico dit que c'est bon. Les gars agissent, ils agissent. Ils sont là, ils ne sont pas là. On ne les voit pas. Pour trouver qu'ils sont là, mon frère, il faut creuser. Et c'est ça l'affaire. C'est le plus difficile. Prouver qu'ils sont là. Ils sont cachés. Ah, mes frères. Jean Calvin Mbarga dit la politique peut rééquilibrer l'économie. Mais Jean Calvin Mbarga, la politique ne peut pas rééquilibrer l'économie. Je vais te dire pourquoi. C'est l'économie, c'est les intérêts économiques qui ont créé l'État. Donc l'État est au service des intérêts économiques. Donc c'est celui qui a créé l'État. Il a créé cet État pour servir ses intérêts économiques. Et il a donc mis le système là pour que lui continue toujours à contrôler ses intérêts économiques et il contrôle l'État. Donc la seule chose qui peut rééquilibrer, c'est les populations du bas. Comme nous sommes en train de faire là, c'est nous qui devons prendre conscience et maintenant pousser la cocotte vers l'eau. À ce moment-là, ils seront obligés de sortir, de tomber. Mais si on reste couché à mort, là, comme on est là sans organisation, mais les gars vont continuer à faire le système. Ils vont continuer à faire le système. Que tes parents travaillent le cacao dans les villages, ils ne gagnent pas. Mais c'est celui qui est dehors dans les palaces à Douala, les négociants qui prennent des avions. Ils boivent du champagne. C'est ça qu'il est question.
Non. Je ne peux pas parler de la mafia qui est dans l'armée. Dans l'armée du Cameroun, il n'y a pas de mafia. Dans l'armée du Cameroun, il se pose juste un problème qui arrive à toutes les armées du monde. Quand une armée est en train de travailler en flux tendu, on peut avoir des ratés dans l'organisation. Moi, nous appelons ça dans notre langage des petits ratés. Et ces petits ratés-là vont trouver des solutions au fur et à mesure que l'État, la République va avancer, on va rectifier, on va modifier. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas dire que c'est une mafia. On peut juste dire que ce sont des petits ratés qui arrivent au cours dans la gestion où les gens travaillent en flux tendu. C'est de ça qu'il est question. Mais l'armée reste professionnelle dans son ensemble. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, ça. Mais tu appelles ça la mafia. Non, c'est pas la mafia. C'est juste que l'armée au Cameroun est en flux tendu. C'est ça le problème. L'armée travaille, ils sont en flux tendu à l'heure actuelle. Ils sont en une cadence de relève qui... C'est jamais vu. Ils sont au nord-ouest, ils sont au sud-ouest, ils sont à l'extrême nord, ils sont à l'est, ils sont dans la Damawa. Les gars sont en flux tendu. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais par contre, il faut toujours continuer à les encourager. Nous les félicitons pour le travail qu'ils abattent, pour le maintien de l'intégrité de notre territoire, au prix du sacrifice. Nous ne pouvons que les encourager. Nous les félicitons. Et une fois de plus, mes amis, je vous remercie d'être venus. Aujourd'hui, j'ai donné les maux de tête aux gens. Le sommeil va s'arrêter. Le sommeil va s'arrêter. Parce que là, c'est le système que j'ai mis là à nu. C'est ce système qui a tué tous les enfants de la forêt qui se sont lancés dans les affaires. Tout le monde est passé par là. Moulinex va te broyer. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. On te dit seulement que les dévises sont finies. Toi, tu te mets à insulter le président Biya. Mais parce que tu n'as pas cherché à poser la question de savoir comment on fait pour avoir les dévises. C'est ça. Et ils ne se posaient pas cette question. Car c'est pas là que nous on a commencé. On a dit ok. Comme tout est question d'argent, comment le Cameroun, l'État du Cameroun, fait pour avoir l'argent? Papa, c'est là où notre grand maître a commencé à nous expliquer. Ça, c'est une très belle question, les enfants. Pour que l'État du Cameroun et le CFA, voici le mécanisme. Ouais. Ouais. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes fatigué aujourd'hui parce que hier, c'était le terminateur des partages. En 45 minutes, vous avez fait un partage terrible. Moi, je suis content de vous. C'est nous la solution.
Donc, il ne faut pas que décembre arrive. Chacun contribue comme il veut. Mais moi, je reconnais que nous ne sommes pas les gagnants gros. Nous sommes les gagnants petits. Si chacun veut, il garde lui-même. En décembre, il met sa part. Chacun contribue comme il veut. Mais il faut qu'en décembre, le 27, là, on s'assoit, on casse les champagnes que objectif atteint. On dit maintenant, phase B. C'est ça, les gars. On appelle ça organisation. Rien ne dépasse l'organisation. Rien. Quand une organisation est mise sur pied et qu'elle sait les forces qui agissent de part et d'autre. Vous voyez les messieurs comme les biens d'hommes. Les messieurs comme les biens d'hommes sont des éléments du système pour nous maintenir à la vision. C'est le président, c'est le président, c'est le président, c'est le président. Quand moi je parle, j'enlève les coutilles. Quand tu lèves les yeux, tu regardes le ciel. Banalo Baeni Kasso. Ah! Amoto. C'est ça. Par contre, les biens d'hommes sont là. C'est le président, c'est le président, c'est le président, c'est le président. Non, c'est pas le président. Le président et le peuple sont pris en tenaille. Le peuple dit c'est le président parce que le peuple ne peut pas voir au-delà du président. Et c'est ça que nous avons cherché à faire. Voir au-delà du président. Qui est derrière? Au même moment, nous sommes en train de travailler encore dans un autre projet là. On est en train de travailler sur ça. Je vais vous parler après. Dans le forum. Il faut que nous soyons. En sachant bien. Ah, j'allais oublier. Oh Seigneur. J'allais oublier, c'est quelque chose de très important. Je vais vous dire quelque chose. Le barrage de Wen n'aura rien. Je vais vous expliquer. Quand des gens veulent frapper le président Dia, ils viennent avec un gros projet. Est-ce que vous m'avez compris? Quand les gens veulent frapper le président Biya, ils viennent avoir un gros projet. On va faire les réunions de prise de contact avec les populations. Bon, est-ce que vous savez que quand un gouverneur se déplace, il est en mission. Quand un gouverneur se déplace pour une prise de contact avec ses populations, vous savez combien? Si je connais les chiffres. Quand un ministre se déplace dans la même région, ça a un montant. S'il change de région, ça a un montant. S'il part dans le chef du département, ça a un montant. S'il part dans un arrondissement, ça a un montant. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Pardon. Ça, c'est un autre sujet. Retenez seulement que quand les gens veulent frapper le président, ils organisent quelque chose. Mais je ne veux pas trop parler de ça parce que je sais que ça va accoucher d'une souris. On ne peut pas inonder une forêt.
Mais bien sûr, Jean Calvin Mbaga, c'est la vérité. L'Éthiopie a construit le Ghana de 5000 MW sur fonds propres. C'est vrai. Tu crois qu'on peut faire ça au Cameroun? Au Cameroun, là. Jean Calvin Mbaga. On peut faire ça au Cameroun? Tu as oublié l'argent du coup de cœur? Maman. Des Camerounais. Le président dit que coup de cœur, des Camerounais détournent l'argent que les autres Camerounais ont cotisé. On peut faire ce que les Éthiopiens ont fait là. Financer le barrage sur fonds propres. La Banque mondiale s'est retirée, l'Union européenne s'est retirée. L'Éthiopie a dit que nous-mêmes, on va mettre l'argent. Chaque Éthiopien a un titre. A un titre de ce barrage. Chez lui. Plié, gardé dans l'enveloppe. C'est ça la vérité. On ne peut pas faire ça au Cameroun. C'est pour ça que nous sommes obligés de faire ce que nous sommes en train de faire là. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la première fois au Cameroun. Les gens se sont toujours réunis au Cameroun par affinité tribale. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est la première fois qu'on fasse ce que nous voulons faire là. Et comme c'est lancé là, c'est le vrai Cameroun. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est comme ça que les Oumnobé ont commencé. Ils parlaient là du vrai Cameroun. C'est ça qu'ils se sont retrouvés à Tchang. On l'a élu là-bas. Lui qui était Bassa. Comment on a commencé là? C'est comme ça. C'est comme ça. Pour rejoindre le groupe, il faut écrire à Rose de Sable. Tout ce qui veut rejoindre le groupe, vous écrivez au compte Facebook Rose de Sable, vous l'envoyez un message via Messenger. Parce que quand elle va voir votre invitation, elle va faire le nécessaire. Donc tout ce qui veut rejoindre la famille de l'éveil qui a compris que c'est l'économie qui est le problème, vous envoyez à Rose de Sable un message via Messenger. C'est ça qui est important. Et je vous dis une fois de plus, merci. Il manque un tour. Je voulais encore un peu rester là pour que vous partagiez. Ça atteint 500. Rose a dit qu'il manque un tour. Donc ressortez un peu, vous reconnectez. Ça fait, vous faites le partage, ça fait un tour. Non, le problème c'est de ça qu'il est question. Le problème c'est juste que les Camerounais font comme si le pays appartenait à une autre personne. Les Éthiopiens ont financé un barrage de 5000 MW. Par les Éthiopiens. Construit par les Italiens. Tu mets ça au Cameroun? Hein? Mon frère. Prenez seulement l'exemple de la CAN.
2000 milliards. Mon frère, les Camerounais se sont versés sur ça. Déchiqueter l'argent. Vous voulez quoi? C'est pour ça que moi j'ai compris ça. J'ai dit que vraiment, je soutiens le président bien à fond. Parce que en fait, c'est lui qu'on veut qu'il meure. On veut qu'il meure dessus de crise cardiaque. Et nous sommes contents. Le président Biya nous a donné les réseaux sociaux. Ça nous a sauvés. Ça a sauvé notre pays. Sinon, ce que moi j'ai dit là, mon frère, qui allait me donner la parole un jour? Qui? Là, il dit que c'est un mécanicien. On a dit que les mécaniciens, c'est les mécaniciens, ils n'ont pas de cerveau. Et souvent, quand j'entends les gens là parler, par exemple, je mets comme ça, que eux, ils mentent, ils n'ont même pas honte. Hein. Ils mentent même comme ça, en plein jour. Hein. Ils mentent, regarde comment ils mentent. Ah, papa, tu vas faire quoi? Ils mentent comme ça à la télévision. Moi, je prends ma main, je mets ma main comme ça. Je les écoute. Ils mentent. Je dis que qui va alors dire au peuple que celui qui parle à la télé, il ment. Donc moi je vous dis une fois de plus, les gars là, je les annonce que nous avons un plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, qui se prépare? Qui se prépare? Parce que si, comme le vieux petit machin qui s'avait mis là depuis là, pour nous là, c'est rien du tout, ça a mis long, ça a fait son époque, c'est fini. Nous la mettons là, pour nous, c'est rien du tout. Je vous ai déjà dit comment on va contourner ça. Propre, sans même se salir. On a encore une bombe atomique. Là, ça sera une bombe. Quand on va la laisser sur le terrain, paf! Ça sera mon vermillon. Tout le monde va se m'enfuir. Que les enfants là, c'est là. 25 ans de réflexion. Vous allez voir. Ça va payer à tel point que les gens vont seulement nous esquiver. Enfin, les enfants là, vous les touchez. Les gens vont seulement nous dire comme ça que Ndalo, ami, Apon. Ils vont dire que Apon cœur. Apon. Parce que on a tellement. Parfois, on reste comme ça à Douala, on disait seulement, on disait toi avec notre grand maître, qu'on disait que. Grand maître, est-ce qu'on va exposer cette histoire un jour? On dit qu'attendez, il y a un bon moment. Le moment va se présenter. Vous n'allez pas louper. Vous n'allez pas parler au même moment. Abdel, c'est ton travail. Quand le moment va se présenter, toi-même, tu vas voir. Tu vas t'y engouffrer. Et ça sera parti. Nous, on doit rester cachés. On a déjà tué l'autre. Nous, on va rester cachés. Parce que c'est ce que tu vas parler là. Les Camerounais seront... On va appeler ça... Ils seront nés de nouveau. Ils vont comprendre le Cameroun qu'on ne les avait jamais expliqué. Mais ils sont Camerounais. Ils savent pas qu'il y a deux Camerouns. Il y a un Cameroun qui part à gauche et il y a un Cameroun qui part à droite. C'est ça. Rose, dernier comptage. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, c'est pour ça que quand moi, au départ, je ne peux pas vous mentir.
Quand on parlait souvent, on se disait, on était parti sur la base des chiffres de Alexis Dupandamolé. Quand il lisait les résultats, on avait dit, bon, les gens sont fatigués, on va continuer demain. On n'a pas beaucoup partagé. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Chacun de vous doit comprendre où se trouve le Cameroun, l'équipe profite du Cameroun au détriment de la majorité. Moi, je ne dis pas à la majorité de se lever, de se fâcher, de casser tout, non. Je dis à la majorité, il y a une solution, mais la voici. C'est tout. Changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui.
Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé.